Bienvenue le Men in Black. Bienvenue. Comment ça va? Putain les gars, depuis le temps qu'on s'est pas parlé en moto. Regardez-moi ce temps. Et non, faut que j'arrête de parler comme ça parce que ça va vite être chiant, mon dieu. Oh les mecs, si vous savez comme ça fait plaisir de retourner avec vous, retourner pour vous, rouler pour vous et pour moi, pour nous. Oh mon dieu les mecs. Oui, parce que voilà, on va causer un petit peu. Bon déjà, vous avez vu en... Je sais pas si je vais vous le mettre en intro ou en outro de la vidéo, mais ici les gens laissent passer les motards. Ils ont ça dans leur attitude de conduite. Ils connaissent les motos. Et ça fait plaisir. Et donc, oui, il s'est passé des choses dans ma vie, les gars. C'est pour ça que ça fait un moment qu'on s'est pas vu en moto. On s'est vu deux fois. Enfin, on s'est vu une fois pour une annonce en moto. Puis on s'est vu sur une annonce en voiture. Puis plus rien. Plus rien. Je vous ai manqué, je suis sûr. Vous étiez là en train de pleurer. Petit bandit, reviens. S'il te plaît, reviens. Et me voici. Non, en fait, les mecs, pour tout vous dire, j'ai déménagé. Vous voyez que là, on roule. C'est pas exactement les paysages là où on s'est quitté, n'est-ce pas? On a vachement plus l'impression d'être en ville. Et pour cause, j'ai déménagé de la Bretagne. Je vais peut-être vous mettre une carte là. De la Bretagne à Ancenis. J'ai déménagé en Loire-Atlantique. Quand on sait que je suis originaire du Maine-et-Loire, on comprend que ça me rapproche beaucoup de chez moi. Et ça fait encore plus plaisir. Alors, autre point sur ce rapprochement géographique, c'est que ça va peut-être me permettre, ça sent encore des choses à réussir à caler. Des choses à réussir à caler. Mais il se pourrait que je fasse des... Je vous le dis de suite parce que je peux pas garder ça pour moi. Même s'il n'y a rien de sûr, je peux pas garder ça pour moi. Il se pourrait que je fasse des sessions roulage et des sorties avec Dist, motovlogueur, comment on dit, ancenien. Motovlogueur d'Ancenis qui a 16 ou 17 000 abonnés, je sais plus exactement. Enfin bref, je l'ai contacté quand j'ai su que je débarquais ici et je lui ai dit, oh mec, voilà, je débarque par ici. Putain, les gens, par contre, là, j'ai tapé une pointe, ils me regardent tous. Et je lui ai dit, voilà, gros, je débarque dans le coin. Est-ce qu'il y aurait moyen qu'on roule un peu ensemble pour me faire découvrir le coin, machin? Et puis, il m'a dit, bah écoute, pas de soucis. Bon, moi, je débarque à Nantes en fin du mois, donc fin du mois d'août, là. Moi, je débarque à Nantes, je vais vivre à Nantes, mais il m'a dit, pourquoi pas. Et puis, Nantes, Ancenis, les gars, clairement, ça se fait bien. Alors, lui, en face, avec sa 50, il filme aussi tout ce qu'il fait. Et oui, maintenant je salue les 50 parce que j'ai changé de mon avis, comme on dit, avec les cons qui changent pas d'avis. Et j'ai reconsidéré la chose. Bref, il y avait un street au-dessus. Un petit street. Et donc, qu'est-ce que je vous disais? Donc oui, Dist. Donc j'ai pris contact avec lui en lui disant, mec, il y a moyen. Et il m'a dit, donc ouais, pas de soucis, on essaiera de se caler ça. En gros, j'extrapole un peu peut-être, mais voilà, c'est ce qui m'a fait comprendre. Que ouais, il n'y avait pas de souci pour courir ensemble, faut juste qu'on se cale un truc, qu'on va se caler en fonction de nos emplois du temps. Donc ça, c'est cool. Sinon, mon route de rêve, on va en parler parce que depuis le temps que je vous en ai parlé, ça a, on va dire entre guillemets, bien marché. Je suis plutôt content, ça a plutôt plu, des retours que j'en ai eu, ça a plu, donc c'est sympa. On va pouvoir continuer cette série ici parce que on a une particularité maintenant en ayant déménagé ici. Je vais vous la montrer tout à l'heure. Là, je vais faire une petite course et on se retrouve à tout de suite. Re les mecs. Oula, attendez, j'ai oublié d'accrocher mon sac à dos. Non, je l'ai accroché? Ah oui, je l'ai accroché. Parce que là, comme il fait chaud, je roule avec le haut du blouson en peau vert, donc j'accroche que la boucle du sac à dos en bas. Et du coup, je sentais pas le sac à dos me serrer. Donc, après cette petite pause, maintenant, on a un décor et un lieu de tournage, on va dire, de toute beauté. Puisque nous avons maintenant les mecs, la Loire, ah, ils se baignent et tout. Nous avons la Loire, putain, la sacrée Loire, la belle Loire, puissante et sauvage. Donc on va pouvoir se faire route de rêve, il va falloir que je me balade. Caméra au casque. Et va falloir que je me balade et que je découvre un petit peu des petits spots sympathiques pour tourner de nouvelles vidéos.
Alors, on va faire le tour, on va retourner sur Anceny, parce que là je suis allé par là, mais c'était juste pour vous montrer la Loire et je pensais pas aller aussi loin. Alors. Ça fait plaisir de vous reparler, comme ça je vais pouvoir me remettre à faire du montage. Mais après la vidéo, je vous préviens, pour vous, quand vous allez la voir, elle sera sortie du coup, mais je sais pas trop. Regardez, qu'est-ce que je disais. Le mec il m'a vu, tac, il laisse passer. C'est hallucinant ici, mais ça fait plaisir. Je sais pas quand la vidéo va sortir parce qu'en fait j'ai pas encore un train. J'ai internet, mais en fait c'est une voisine qui gentiment m'a prêté son code wifi pour que je puisse me connecter doucement. Alors pour le Claude, ça passe, franchement ça passe. Et ça, mais ça dépend des fois quoi, parce que ça dépend. C'est très aléatoire, donc du coup, je sais pas comment je vais vous l'upload ça, si ça va passer ou quoi, mais dans tous les cas, sachez que quand vous verrez cette vidéo, je serai opérationnel. Anceny. Anceny. J'avais un prof quand j'étais au lycée, un prof de mécanique. Un sudiste, sud-ouest, un gersois, un gars du Gers. Et il disait pas Anceny lui, il disait Anceny. Mais putain, je vais aller me baigner. Je suis en repos cette semaine, moi je vais aller me baigner. S'il fait ce temps là, clairement je vais me baigner. Et ben, on va longer un petit peu la Loire, regardez. Et puis aussi, du fait d'avoir redéménagé, je suis à mi-chemin de Angers, chez moi, et de Nantes, plus ou moins chez moi. Donc il n'est pas impossible que des fois, si j'arrive à me motiver, ou si on arrive à me motiver, Aka, la Bandidas, Alex, GSE et tout ça là, hein, les vilains que j'ai rencontrés l'autre jour, enfin, j'ai rencontré la Bandidas et toute la bande, je les ai rencontrés à Saint-Malo, peu de temps avant de partir en fait, pour tout vous dire, peu de temps avant mon déménagement, on a réussi à se caler un petit truc à l'arrache pour se rencontrer. Donc c'était cool. Et donc si j'arrive à les motiver ou s'ils arrivent à me motiver, salut copain. Et bah on pourrait se faire des petites virées sur Nantes ou sur Angers, enfin voilà, à voir quoi. Mais là déjà, putain ça fait du bien de rouler en ville. Parce que bon, là où j'étais avant, maintenant je peux vous le dire vu que j'y suis plus, à Carhaix Plouguerre, petite ville bretonne de 9000 habitants accueillant annuellement le festival des vieilles charrues, n'est-ce pas? Voilà. C'était pas la folie. Là, je peux. C'est-à-dire que le centre-ville, bon, Anceny, le centre-ville, il y a. C'est pas le centre de Nantes. Mais il y a de quoi rouler un petit peu. Donc voilà, ça fait plaisir de revenir un petit peu en ville. Parce que moi qui suis de la ville. J'avoue que rouler à Carhaix et dans la campagne, ça commençait un peu à me déprimer. Bon alors, par contre, il y a un truc que j'ai remarqué ici, enfin c'est ici. C'est pas comme ça partout, je pense pas. Mais ce week-end, je suis allé en soirée chez des potes. Enfin, chez un pote qui a un petit terrain avec un étang, une petite cabane et tout. On était refait, les gars. Encore une fois, je vous mets la photo là. On était refait. Hein. Franchement, c'était trop top. Mais alors, les routes. Oh pardon. Les routes les gars, l'état des routes, mais pire qu'en Bretagne. Et en Bretagne pourtant elles étaient dégueu. Elles étaient dégueu mais elles étaient roulantes. Là j'ai pris des routes les gars, je vous jure pendant 10 km t'es sans cesse en train de jongler sur ta moto, droite gauche, ça bouge, ça shake, les suspensions elles en prennent plein la gueule. Ah j'ai chopé une toile d'araignée d'ailleurs. Et c'est pas agréable quoi. Dès que tu essaies de prendre un peu de vitesse et tout, t'es pas bien. Clairement, t'es pas bien. Donc, à voir. Mais en tout cas, les routes que j'ai pris, pas terrible. Pas terrible, terrible, terrible. Voilà, bon, on est déjà passé là, mais c'est parce que là, je me balade, je vais retourner à la gare. Je chope le street là. J'ai vu le petit street. Il a l'air propre. Il se met pas mal dans cette auto-école. Hein. MT, 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 MT. Ah non, attends, celle-là, c'est pas une moto d'auto-école. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de crash bar. Voilà. Bon, le feu. Hop, on va essayer d'aller par là. Voilà. Alors. Je suis en sens inverse. Très bien. Très bien, très bien. Ah, bonjour. Voilà, c'est là que je voulais aller. Parfait. Et
Et ensuite, comment ça se passe ici? C'est pas bien, je suis en ville. Je compte aussi, les mecs, faut... Tiens, encore une fois, je vais vous demander votre avis. Je compte... Tiens. Peut-être me racheter un VTT. Un petit VTT, voilà, pour aller faire des balades, parce que j'ai découvert qu'il y avait une forêt pas loin de chez moi. Une super forêt, avec des super spots pour vélo. Avec des petites bosses et tout. Et donc j'envisage de filmer ça aussi. Et donc, faudrait que vous me disiez... Si ça vous intéresserait ou pas, vous avez le droit de me dire non, ça vous intéresserait ou pas des vidéos vélo du coup, et puis à moto, hop, on a le droit de passer, il y a la flèche. Mais est-ce que ça vous intéresserait des vidéos... Ah attendez, ça c'est cadeau. Est-ce que ça vous intéresserait des vidéos à vélo dans les bois comme ça? Moi je pense que ça pourrait être fun, en plus avec le harnais de poitrine et tout, ça pourrait rendre pas dégueu. Ça pourrait rendre pas dégueu du tout. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Ça me tente. Après, faut que je me trouve un vélo, faut que j'ai l'argent aussi pour le vélo, parce que j'ai pas envie d'acheter de la merde. Donc à voir. Mais est-ce que ça vous intéresserait des petites vidéos comme ça? Alors du coup, ça serait certainement beaucoup moins commenté, beaucoup moins blabla. C'est quoi le délire ici? Chelou ce carrefour. Ça serait beaucoup moins commenté, etc. Mais... Ça pourrait être sympa, je pense. Il y aurait moyen de s'amuser à filmer des petits sauts, faire des plans un peu sympas avec la caméra posée sur un petit trépied et tout. Ouais, je pense qu'il y a moyen de taffer là-dessus. Donc dites-moi, si, bien que ce soit une chaîne de moto, est-ce que les bails... Ah, le stop, il est à gauche. Ah, d'accord. Très chelou. Mais ouais, dites-moi si ça vous intéresse. Moi, ça me tente. Donc je vous dirai... Si j'achète un vélo ou pas, de toute façon je vous le dirai et on en reparlera à ce moment-là. Je sais pas où je suis. Clairement, je sais pas où je suis les mecs. Sympa ce petit Z. Ouais, t'es large mon gars. Non mais gros, mais t'es sérieux? Ah tu... Tu viens d'avoir ton permis, toi, c'est pas possible. Et clignotant, putain! Aucun clignotant, hein. Aucun clignotant. Incroyable, ça. Hop. Et les ronds-points, c'est un régal à prendre. C'est vraiment un régal. Et je commence vraiment, là, vous voyez, comme quoi, chaque fois je dis ça, mais là, c'est... Là ça commence à être vrai, le bandit je commence à l'avoir vraiment en main. Alors la prise en main va rechanger parce qu'il va falloir que je change mon pneu arrière. Incessamment sous peu. On va se mettre avec le pneu face au soleil. Mais je vais vous montrer que... Alors, attendez, floutage de plaque, la plaque est là. Hop là, voilà. Les gaz d'échappement dans la gueule. Vous voyez le pneu là, je l'attaque. Mais il commence à être usé parce que l'ancien proprio attaquait pas comme j'attaque à mon avis. Parce que vous voyez bien que là, ce que je montrais à mes potes ce week-end, moi je cherche la bande de peur, hein, vous voyez. C'est-à-dire qu'il y a toute la largeur du pneu avant et à l'arrière c'est pareil. Le truc c'est qu'à l'arrière, comme il était déjà bien usé, et bah du coup ça apparaît moins. Et en fait, là le pneu arrière, je vais finir pour l'été quoi, parce que l'été il y a moins de risque de pluie. Et cet hiver, je vais mettre un... Bah je vais changer de pneu pour l'hiver. Ok, c'est un stop. Et je vais mettre un truc un peu plus costaud. Avec ce que j'aimerais bien, c'est de la gomme dure au milieu et tendre sur les bords, c'est-à-dire comme ça pour faire de la route, le pneu s'usera moins vite. Parce qu'il restera, bah voilà, il restera bien dur au milieu. Et par contre, dès que je voudrais attaquer un petit peu de l'angle, bah j'ai la gomme tendre qui chauffera et qui du coup accrochera et plaquera la moto, accrochera la moto, hop là, et permettra de la... Ah d'accord, on revient là. Et du coup, ouais, qui permettra de vraiment de coller à la route proprement. Ah bah vous voyez, je pensais pas retomber là. Donc voilà, là le pneu, celui-là, on va dire que je le finis pour l'été. Voilà, je m'amuse, je le taquine un peu dans les
sur les petites routes. Mais cet hiver, ça sera un nouveau pneu. Parce que là, celui-là, clairement, sous la pluie, déjà qu'une moto sous la pluie, ça adhère pas aussi bien qu'une voiture. Mais alors là, sous la pluie, si je fais un freinage un peu violent avec ce pneu-là, je vais le sentir clairement passer. Tu fais quoi, poteau? Pourquoi tu sers ta gauche? T'as pas de clignotant, on va y aller, hein. Tu restes là? Par la droite, c'est pas terrible, mais là, je sais pas trop ce qu'il faisait. Bon, écoutez, les mecs, là, je j'avais pour but de rester sur Rosny. Ça fait deux fois que je prends une route pas random parce que je connais un peu le coin quand même. Avant même d'y avoir emménagé, je connais un peu le coin. Mais ça fait deux fois que je prends une route et du coup, je me retrouve à sortir de la ville, hein, complètement. En tout cas, ça fait plaisir de revenir par ici. Alors, ça fait plaisir, pas plaisir, parce qu'en Bretagne, faut quand même laisser des potes et des collègues. Enfin, des collègues qui sont devenus des potes, on va dire. Marina, je te fais un gros bisou. Si tu regardes cette vidéo, je te fais un gros bisou, mon petit bouchon. Parce que quand je dis ça, c'est, tu fais partie de ces personnes qui vont me manquer. Mais je sais qu'on finira par se revoir, il n'y a pas de soucis, mais voilà. Yo ! Putain, il l'a fait longtemps là-bas, il m'a presque surpris. Au bord de Loire. Enfin, voilà. Bon, écoutez, les mecs. Et les nanas. Je vais vous faire des bisous, je vais vous laisser ici sur la commune de Hamets. Et puis je vais vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo de moto, parce que là c'est bon, on est reparti sur un rythme moto. Hein ? On va se relancer les gars, hein, faire des petites vidéos, tout ça. Donc pourquoi je parle comme ça, j'en sais rien du tout, je suis pas ch'ti, je suis angevin. C'est n'importe quoi. Bon, c'est n'importe quoi. Je vous fais des gros bisous. Et puis ride safe, take care. Et prenez soin de vous, les mecs. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Oh, ça a décollé. Les mecs. Eh, attends, ouais, ça a filmé. Ça a décollé, là. Parce que vu comment le moteur, il s'est emballé. Oh, c'est possible qu'il y ait la roue arrière qui est... Oh, wow, les portes de la Moria, mon gars. Aïe. Mes couilles. Oh. Ah, mais c'est classé, cassé les bons. Pousse-toi, le pigeon.